Coucou tout le monde. Des ruines extraterrestres sur la Lune. Donc encore une fois, j'ai quand même des photos très intéressantes en plus. Alors ça vient du site exotypologie.wordpress. Il faut pas oublier que ça vient d'un autre site, hein, parce que bon, on se sert tous d'un site original, hein, c'est obligé, hein, jusqu'à faire notre propre version, on va dire. Alors des ruines extraterrestres sur la Lune. C'était publié le 21 septembre 2011. Hein. État du monde, état d'être. Hein, sur le site, hein, c'est comme ça. Bon. Alors, la NASA est bien embêtée par les fuites relatives à des ruines supposées se trouver sur la Lune. Ken Johnson, ancien haut responsable de l'administration américaine, ayant participé au programme Apollo, a été remercié pour avoir voulu révéler la vérité. Johnston, pardon, affirme que les astronautes ont découvert d'anciennes cités extraterrestres et les restes d'une machinerie incroyablement avancée sur la Lune. Ce qui n'est pas étonnant, hein. De toute façon, à force, bon. Une partie de cette technologie est utilisée pour manipuler la gravité. Il prétend que l'agence américaine a ordonné le secret sur cette découverte. Rappelons que tout cela date de la période où le conflit russo-américain semblerait plus que probable. Et Ken Johnston a été obligé de participer à cette conspiration du silence. Pendant les 40 dernières années, les hommes de science, les ingénieurs et les techniciens ont accusé la NASA de dissimulation et de cacher les données. Pas étonnant, hein? De toute façon, on le sait, nous, quand, bon, qui sommes très, on fait beaucoup de recherches aussi, on le sait très bien. Les nombres croissants des allégations des accusateurs incluent le fait de cacher les informations sur des objets spatiaux anormaux et de mentir sur les découvertes de tels engins sur la surface de la Lune et de Mars. Et bien sûr de nier l'évidence de preuves de vie révélées par les vaisseaux trouvés. Oui, bah oui, on va toujours trouver des trucs. Hein. En témoigne la photo ci-contre reprise par la sonde Viking vers le milieu de 1970. Bon, je vais essayer, mais elle n'est pas trop grosse, j'essaie de la prendre quand même. Selon Johnston, il y en a une surtout qui est incroyable. Celle-là, elle est vraiment incroyable. Selon Johnston, les astronautes d'Apollo ont remporté les épreuves photographiques des objets qu'ils ont trouvés pendant les activités extravéhiculaires lunaires. Johnston affirme que la NASA leur a donné de détruire les images en question, tandis qu'ils se trouvaient dans le laboratoire de propulsion. Mais il a refusé. Quand il a décidé de rendre publique cette découverte, l'agence spatiale l'a renvoyé. Voilà, superbe. Gros plan sur cette étrange structure lunaire. Bon. Dans cette conférence, vous allez la voir à la fin de la vidéo. Dans une conférence de presse, Kay Ferrari, le directeur, a expliqué pourquoi a demandé le renvoi de Johnston. Il avait publiquement critiqué son patron. Après sa sortie abrupte du programme, Johnston a indiqué qu'il en avait assez et avait été fatigué que le gouvernement des États-Unis était assis sur les preuves depuis 4 décennies. Même bien plus que ça. Des preuves qui démontrent que des villes anciennes extraterrestres sont dans la Lune. Dans la Lune ou sur la Lune? Enfin bref. Ouais. Je n'ai rien que perdre, a-t-il dit. Je me suis battu avec la NASA et ils m'ont jeté. Hein? Comme un vieux Kleenex. Gilbert Levin, l'homme de science qui a dirigé l'expérience à Port de détection de vie à bord de la mission Viking de 1976. Oui, c'est là qu'ils ont découvert le visage de Mars, si je ne me trompe pas, la sonde 1 ou 2. Ah, bref, là aussi, ça a été effacé, hein, mais non. La mythique, vers 1998, par la NASA, comme par hasard, la mythique sonde spatiale ayant la première naviguée vers Mars, bah voilà, appuie les accusations de Johnston envers l'agence spatiale américaine. Levin ainsi sur le fait que son expérience de biologie a démontré qu'il y a une vie dans le sol martien. On peut faire une tartine, mais bon. D'accord? Et j'ai encore beaucoup de choses à faire voir, hein, c'est pas fini. Etc. etc. Nous avons obtenu des données positives correspondant avec tous les critères de prémission qui a démontré l'existence de vie microbienne dans le sol de Mars, a dit Levin au National Geographic. National et Géographic. Nous avons trouvé une vie sur Mars dès 1976, a dit l'homme de science. L'homme de science remarquable est si irrité par la NASA qu'il a créé même son propre site web pour crier au monde qu'il y a réellement une vie sur la planète rouge. C'est www.gilles20,
Illlevin.com. Bon, de toute façon, voilà, des preuves de grandes structures ont surgi. Preuve même une base dans l'extrémité de la Lune qui semble appuyer les discussions de Johnston. Si compte la sonde l'unique 13, la sonde l'unique 13, l'unique, a pris une photo agrandie de l'engin manufacturé. Encore plus fort, plusieurs scientifiques ont défié la NASA sur une autre fraude de l'agence probablement perpétrée pendant des décennies la couleur du ciel martien. Oui, parce que c'est la même couleur hein, que sur comme le Grand Canyon. Pendant des années, l'agence spatiale avait publié des photos de Mars avec un ciel rougeâtre et des paysages rouges oxydés. C'est pas ça. Et ce, jusqu'à ce que les enquêteurs indépendants à des missions de Mars réalisées par l'agence spatiale européenne révèlent que le ciel martien semblait réellement très similaire au ciel de la Terre. Pareil, c'est pareil. Le paysage martien se ressemblait assez au terrain, une couleur au, un saumon pâle du sud-ouest américain, c'est ce que je viens de dire, le Grand Canyon. Hein. Je me trompe pas. Un saumon pâle, ou un saumon pâle. Une ex-employée de la NASA, Donna Air, accuse la NASA d'aveugler et d'obscurcir pardon, des milliers de photos depuis des années. Oui, des milliers de photos, faut pas demander toutes les photos qu'ils ont foutues en l'air. Elle s'est manifestée en alléguant que l'agence spatiale a gommé des anomalies, ou au scalpel, hein, inconvénientes, sur des centaines de photos compromettantes. Parce qu'il y en a une qui est vraiment extraordinaire. La structure de Apollo 8. Là, c'est un peu besoin de faire un dessin. Un illustrateur technique de profession a fait presque de tout des. Attendez. Un illustrateur technique de profession a fait presque de tout pendant sa période dans l'agence spatiale en travaillant comme illustrateur de l'espace et dans le laboratoire de diapositives de précision. Beaucoup de ces diapositives montrent des vaisseaux spatiaux, des satellites, des plateformes de lancement, des lieux d'atterrissage, des cartes lunaires et beaucoup, beaucoup plus. Je vous signale que là, on n'est pas sur la Terre, on est sur la Lune. Il a travaillé comme sous-traitant dans l'agence. Et puis, de toute façon, Mars aussi. Et les autres planètes aussi, beaucoup. Hein, beaucoup d'autres, Pluton, etc. Uranus, bon, bref. Saturne, dans l'agence pendant plus de 15 ans. Quand il a dévoilé la vérité sur la NASA, il a été publié. Et il a été invité par la radio à Washington. Depuis, la polémique court et son témoignage a été, comme s'il se doit, largement décrédibilisé. En décembre 1972, les astronautes d'Apollo 17, Eugene Cernan et Harrison Schmitt, ont passé environ 75 heures sur la Lune. Pendant l'expédition lunaire, ils ont fait une photo si incroyable que ça paraisse. Ah oui, ils décèlent ce qui semble être une tête d'un robot. Cernan a commenté que bien qu'il voyait ce qu'il a de ses propres yeux, il ne voyait pas encore y croire. Écrit l'auteur de John Staxozak. Dans son livre et dans son site web, après avoir surpassé son choc initial, on a rendu compte que ce ne pouvait être un crâne humain. Après tout, il a été jeté sur un champ de décombres d'un cratère d'impact qui avait été lancé comme une espèce d'ordure sur le sol de la vallée, si fragile comme un os fossilisé. De plus, l'exposition au rayonnement extrême solaire et cosmique aurait depuis déjà beaucoup réduit le matériel organique à une poussière fine. Cet objet a été, il n'y a pas doute, une origine mécanique, donc une sorte de robot. Hein. Des améliorations de couleur ont démontré que la tête, en plus on le voit bien, ils font un rapport avec, je sais plus comment il s'appelle, C3PO, là, je sais plus quoi, là, dans Star Wars. De plus, l'exposition au rayonnement extrême solaire et cosmique aurait depuis déjà beaucoup réduit le matériel organique à une poussière fine. Cet objet a été, il n'y a pas de doute, d'une origine mécanique. Des améliorations de couleur ont démontré que la tête a une raie rouge distincte couleur. Ouais, ont démontré que la tête a une, voilà, de l'air où devait être la lèvre supérieure. Une caractéristique qui semble être peinte clairement ou anodisée sur l'objet. Des parties de l'autre photo montraient que la tête avait deux soubassements pour les yeux, un front, des crêtes de sourcils, d'un nez avec une cavité, un nez, une paire d'os, d'os et de la joue et de la moitié supérieure de la mandibule. Je vais le faire voir de toute façon. La mandibule inférieure semblait manquer. Plusieurs des roches du site avaient des qualité spectrale inhabituelle en reflétant la lumière comme des verres à vitre ou du métal hautement poli. Quant au terme du 50e degré Congrès des États-Unis a été votée une loi punissant avec destitution de ses droits et d'une peine de prison. Oui, une peine de prison. Bah oui.
Alors, on a pu le redire, bon, bref, tout membre du gouvernement, civil ou militaire, révélant des informations confidentielles sur le programme spatial secret, je dirais, américain qu'on a ici, de toute façon, et l'alliance extraterrestre. Hein. Bon, bref, l'État n'a pas pensé à l'avenir de toutes ces personnes impliquées d'autre façon dans les événements d'objets volants non identifiés. Oui, parce qu'avec tout ça, ces gens-là, ils risquent de la prison, hein, tu peux rien dire. C'est quand même hallucinant. Hein. Ni qu'un jour, ils arriveraient au terme de leur vie et que dans ce moment, ils se rebelleraient contre le secret infâme de la réalité de la vie extraterrestre. La réalité de la vie extraterrestre. De toute façon, maintenant, on a tellement de preuves et des faits. On peut pas. C'est tout, c'est comme ça. Et livrer au monde toute la vérité. Et cela ne fait que commencer. Alors, ce qui c'était un peu chiant, c'est ce que quand j'ai lu, c'était un peu collé. Vous savez, vous avez les phrases. Des informations confidentielles, tout y est collé. Alors c'était chiant pour des fois, j'avais du mal à déchiffrer. Là. Comme là, livrerai, tout est collé. Au monde, tout est collé. Alors, pour déchiffrer ça, c'est pour ça que j'avais du mal. Voilà. Mais ça va, j'ai réussi à lire jusqu'au bout. En plus, avec les photos, je vais vous faire voir quelques photos. Il y en a une, il y en a deux. Sur le nom, il y en a trois, surtout celle-là. Il y en a quatre, il y en a cinq. Il y en a au moins cinq, six. Voilà. Que je mettrai 10 secondes chacune. Donc je coupe là. Merci. Des ruines extraterrestres sur la Lune. Sur les sites exotypologie.wordpress.com. Mais de toute façon, il s'est renseigné sur un autre site qui s'appelle état du monde, état d'être.net. Hein, donc voilà, il s'est basé sur autre chose. Mais c'est pareil, il a retranscrit sur son site. Voilà, je coupe là. Merci, à bientôt. Et c'est encore du très lourd. Encore une fois, les images, elles parlent d'elles-mêmes. C'est tout. Une image souvent suffit. Hein. Ça vaut 1 000 mots. Hein, comme on dit souvent, ça vaut 1 000 mots. Il m'a pas besoin d'en dire plus. Bon. Et c'est bien sur la Lune. Hein. Oui, c'est pas, ça n'a pas été filmé là-bas, sur le côté, hein, chez moi. Non. C'est bien sur la Lune. Bon, voilà. À bientôt. Merci. À plus. Et c'est très, très intéressant, encore une fois. Merci. 2, 3 jours. Voire plus. Merci.